prairies évoquent davantage les grands espaces de pâturage que les paysages côtiers. Cependant, la végétation que l'on retrouve le long des côtes du Saint-Laurent forme de grands espaces que l'on nomme également de cette façon. La flore présente à ces endroits est un habitat de choix pour de nombreuses espèces animales, en plus de servir de structure qui agit comme barrière pour prévenir l'érosion des berges. Plantes et algues sont au cœur de ces prairies si particulières, chacune avec leurs caractéristiques, leurs différences et leur capacité à faire de la photosynthèse. Une plante et une algue, c'est deux organismes qui sont des producteurs primaires, c'est-à-dire qui font de la photosynthèse. Ça, c'est pour les choses qu'elles ont en commun. Les algues, c'est les premiers organismes photosynthétiques fixés au fond qui sont apparus dans les mers. Ils n'ont pas de système racinaire. Ils sont fixés sur les substrats durs, notamment les roches, avec ce qu'on appelle un crampon. La structure qui leur permet de se tenir assez droit dans l'eau, ça s'appelle un stipe. Et puis, la partie où se passe la photosynthèse, qu'on voit là vraiment grand, ça s'appelle une fronde ou une lame. Ça, c'est pour les algues. Les plantes marines, en fait, c'est des plantes terrestres qui sont retournées à l'eau beaucoup plus récemment dans l'évolution. Et ces plantes-là, c'est vraiment des cousines de nos arbres, nos pelouses, nos pissenlits. C'est-à-dire qu'elles ont un système racinaire, donc elles vont venir s'ancrer dans les sédiments. Elles vont venir aller chercher tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Elles ont une tige qui leur permet de se tenir droite, puis elles ont des feuilles où va se passer la photosynthèse. Ah, donc elles ont en fait des tissus beaucoup plus spécialisés et différenciés que les algues. Alors les herbiers marins qui sont constitués par les plantes sous-marines et puis les forêts d'algues, c'est des écosystèmes effectivement qui se développent très très proches de la côte, hein, dans des zones où il n'y a pas beaucoup de profondeur, puisque après 10-15 mètres de fond, bon, on n'a plus d'herbiers, puis on n'a plus non plus de forêts d'algues, du moins au niveau du Saint-Laurent. Donc c'est des zones qui sont un peu des zones tampons avec la côte, qui vont être le réceptacle de tout ce qu'on déverse aussi, nous, qui nous installons sur les bandes littorales, donc qui sont soumis à toutes ces perturbations d'origine humaine. Ils ont quand même, comme c'est des organismes, des espèces qui vivent dans des milieux très variables, ils ont quand même une capacité de résistance qui en général est assez bonne. Sauf que quand on leur en met trop, ben forcément, il y a un moment où ils sont fragilisés. Et en particulier, les herbiers de zostère, qui est donc l'herbe sous-marine qu'on a ici, eux, ils ont été un petit peu fragilisés par les activités humaines. Puis, il y a des herbiers qui vont actuellement très bien, mais il y a des herbiers qui ont vu beaucoup de pertes de plantes en termes de surface, en termes de hauteur aussi. Les plantes sont moins hautes qu'avant, elles sont moins vertes qu'avant. Donc, quand on perd ces zones-là, ces herbiers-là, on perd beaucoup de rôle écologique, puis on fragilise aussi nos côtes et on fragilise tout l'écosystème qui dépend de ces herbiers-là. La zostère, la plante, elle va jouer un rôle structurant. Elle est ce qu'on appelle une espèce ingénieure, c'est-à-dire qu'elle va former une structure sur le fond, en fait. Et cette structure en trois dimensions, ça va permettre notamment à des petits poissons de venir s'abriter. Ces petits poissons, c'est des bébés poissons qui vont ensuite grandir parce qu'ils ont été protégés au sein de l'herbier, puis ils vont aller faire une population de grands poissons un petit peu plus au large. Puis ces grands poissons, ils vont soutenir toute une chaîne alimentaire qui est plus du coup dans l'herbier, mais qui est excentrée plus loin dans le Saint-Laurent. Donc ces herbiers-là n'ont pas un rôle direct, par exemple, avec le grand mammifère marin, mais ça va permettre d'alimenter d'autres écosystèmes ou d'être en soutien à d'autres écosystèmes derrière. Puis, comment ça marche, le lien avec justement peut-être les apports en zone côtière? Ben, les herbiers sont particulièrement sensibles au changement de lumière qu'on va avoir dans la zone côtière et également à l'apport en nutriments, donc tout ce qui est azote qui va être déversé dans les zones côtières. Et en fonction des concentrations, de ce qu'on y amène, des particules qu'on va déverser qui vont faire augmenter la turbidité de l'eau, ben on va avoir moins de lumière, on va avoir une eau qui va être, on va dire, un petit peu de moins bonne qualité, si on veut rendre ça plus simple, et ça va affecter l'herbier. Puis si l'herbier va moins bien, on perd de la structure en trois dimensions, les petits poissons ou les petits escargots, ben, ils ont moins de capacité à se cacher, par exemple, de leurs prédateurs, où ils ont moins de sources alimentaires dans cet herbier. Puis ça peut percoler dans d'autres écosystèmes adjacents.
Afin d'aider la réhabilitation de certains herbiers endommagés par les activités humaines, des organismes comme le Comité ZIP du sud de l'estuaire agissent dans le but d'améliorer la situation et inverser la tendance. En privilégiant des méthodes dites « douces », calquées sur la nature plutôt que sur les interventions chocs, l'équipe du comité met notamment en place des actions où la transplantation de végétaux permet aux herbiers marins de se régénérer. Jonathan Potier, chargé de projet au comité ZIP du sud de l'estuaire, met de l'avant certains de ses projets de restauration. Moi, c'est Jonathan Potier, je suis chargé de projet au comité ZIP du sud de l'estuaire. On travaille aussi sur différents sujets au comité ZIP, la conservation, l'accès aux fleuves, beaucoup toujours avec de la concertation avec les communautés côtières. Notre organisme va de Montmagny, la MRC de Montmagny, jusqu'à celle de Matane, à peu près 400 km de côte sur laquelle on fait le plus d'actions qu'on peut, suivant les financements qu'on a de disponibles. Depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, le comité ZIP a développé une expertise en restauration des habitats côtiers. Indirectement, nos actions peuvent aussi protéger la rive et donc protéger indirectement les infrastructures qu'il y a derrière, comme des routes et des bâtiments. Mais notre objectif premier est de restaurer l'habitat pour améliorer l'environnement, puisque encore là, les études ont prouvé que ces habitats avaient un rôle important face à l'érosion côtière. Donc on y va essentiellement en milieu naturel pour prélever. Donc comme je l'expliquais, à Notre-Dame-des-Neiges, on a un herbier qui est dense au centre, dans lequel on est capable d'aller prélever de manière raisonnée à plusieurs endroits, en changeant chaque journée, pour prélever plusieurs milliers d'unités de zoosphères marines. C'est tout simplement d'aller chercher ces unités-là avec une pelle et de les transporter à l'endroit qui est dégradé, sur lequel on veut transplanter ces unités et redensifier. Dès la première année, on voit tout de suite que dans l'herbier de zoosphère marine, les zones qui ont été transplantées, on voit que les unités commencent à se densifier, commencent à coloniser. On observe que la colonisation se fait surtout par les racines la première année. Donc ça se fait en souterrain. Et dès la deuxième année, on peut se rendre compte qu'il y a une densification qui se fait vraiment par les feuilles à l'extérieur, en externe, sur une densification qui se ferait de 1 à 5 mètres. Le fleuve et ses écosystèmes exercent parfois une fascination sans bornes sur certains individus. À l'occasion, cet intérêt se transformera en véritable passion et guidera même le choix de carrière des amoureux de la nature. C'est le cas de Marie-Pomme Poisson, qui complète sa maîtrise en océanographie à l'ISMER et qui y étudie l'herbier de Rimouski, véritable laboratoire à ciel ouvert. Je m'appelle Marie-Pomme Poisson, puis je fais une maîtrise en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. J'ai grandi à Montréal, puis en banlieue, puis il y avait quelque chose qui me manquait, tu sais. Puis je sais toujours pas c'est quoi, mais je sais que je l'ai trouvé à Rimouski. Puis pour la petite histoire, ben c'est quand j'avais 12 ans, je suis venue faire un camp d'été à Rimouski, puis c'est le moment où je suis tombée en amour avec la place. Ça peut paraître cliché, mais c'est depuis cet âge-là que je dis que je veux devenir océanographe, puis là, ben je suis à un mémoire de maîtrise de pouvoir réaliser le rêve de Marie-Pomme qui a 12 ans. J'étudie les herbiers, en fait, l'herbier de Rimouski. C'est mon écosystème modèle pour ma maîtrise. Donc, des fois, on veut mettre en application certaines théories ou certains concepts scientifiques, puis on a besoin d'un modèle pour tester notre approche ou notre théorie. Puis, ouais, dans mon cas, c'est l'herbier de Rimouski. L'approche que j'utilise dans ma maîtrise, c'est l'approche qu'on appelle biodiversité et fonctionnement de l'écosystème, ou BEF de l'anglais Biodiversity and Ecosystem Functioning. Pardonnez mon super anglais. Et puis, moi, en fait, ce que je cherche, c'est vraiment à faire le lien entre le fonctionnement de l'écosystème, donc la mécanique générale de notre écosystème, de notre herbier, et puis la diversité, la biodiversité dans l'herbier. Donc, quand on parle de biodiversité, c'est toutes les variations qu'on peut trouver dans le vivant. Ça peut être au niveau des espèces, donc de la biodiversité taxonomique. Donc, tous les noms qu'on va donner aux espèces. Mais la biodiversité, c'est aussi génétique. Ça peut être aussi fonctionnel. C'est surtout la biodiversité fonctionnelle qui m'intéresse. J'avais jamais découvert la beauté de l'herbier qu'on avait à côté de chez nous. Puis ça a pris un projet de maîtrise pour que je m'y intéresse, puis pour que finalement, je vois la richesse de ce que qu'on a devant chez nous, qu'on a à côté de... à deux pas de marche là, de chez moi.
puis de l'université, puis de la ville, tu sais. Je pense que les gens devraient plus souvent s'acheter une paire de bottes salopettes puis aller explorer les herbiers puis les algues qui poussent près de chez eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'échantillonner des morceaux d'herbier ou comme on l'a vu dans la carotte, on va vraiment chercher tout le substrat et toutes les esters qui viennent avec. On les met dans des petits porte-carottes en tuyaux de PVC. On met ça dans des bassins où on contrôle le niveau d'eau, la température, la salinité. Puis on les observe, on prend des mesures dessus parce qu'en bassin, c'est plus facile, on contrôle l'environnement puis on peut facilement... c'est plus pratique pour prendre des mesures. Puis par la suite, après avoir fait ces mesures de flux, donc des flux d'oxygène, des flux de CO2, des flux de nutriments, des flux de carbone inorganique, on va tout décortiquer nos carottes, tout défaire les carottes, puis on va aller voir qu'est-ce qui se cache dans la carotte. Donc, on va aller chercher les espèces. Puis pour chaque espèce, bien, avec la littérature, avec toutes les connaissances scientifiques qu'on a déjà, on peut leur attribuer un rôle fonctionnel. Par exemple, il y a des espèces qui vont faire de la bioturbation. Donc, ils vont venir creuser des trous dans le substrat pour y apporter l'oxygène. Il y a des espèces qui vont faire de la calcification, qui vont emmagasiner dans leur coquille tout le carbonate de calcium qui se trouve dans l'eau. Il y a des espèces qui vont faire de la photosynthèse, c'est le cas de l'azostère, qui va servir de la lumière du soleil pour transformer de la matière inorganique en matière organique, donc pour croître, pour toutes les feuilles proviennent de la photosynthèse. À l'heure où les changements climatiques sont au cœur de nos préoccupations, la place des herbiers marins en tant qu'écosystème à protéger est très importante. Comme les végétaux qui s'y trouvent captent du carbone, le rôle des herbiers marins occupe une place prépondérante dans les recherches de la communauté scientifique. Voilà pourquoi il est essentiel de mieux comprendre ces endroits sensibles pour mieux les protéger et les conserver pour les générations futures. Quand on étudie les impacts des changements climatiques, ben déjà, il y a une chose qui est prépondérante, c'est que les changements climatiques, on ne peut pas les nier. Ça arrive depuis quelques années, ça s'intensifie, on voit les impacts directs. Donc, l'avantage, c'est que quand on étudie ça, on essaie de mieux comprendre, puis on essaie aussi de prédire à travers des expériences où on va reproduire, par exemple, des scénarios futurs de changements climatiques, on va pouvoir essayer de voir vers où on s'en va, des trajectoires un petit peu. Ça permet de mieux comprendre. Ça permet aussi peut-être d'aller protéger peut-être certaines zones qui sont moins impactées par le changement climatique. Puis on a aussi des moyens naturels de tampons, on appelle ça de la mitigation des changements climatiques, qui existent en milieu naturel. On entend de plus en plus parler du carbone bleu, par exemple. C'est tous ces écosystèmes végétalisés marins qui sont capables de capter du carbone puis de le stocker au sein des océans. Ça, c'est un milieu naturel qui peut aider à lutter contre l'augmentation du CO2 dans l'air, de l'augmentation du gaz carbonique dans l'air, par exemple. Donc, étudier comment ça fonctionne, étudier la diversité, prévoir ou prédire du moins qu'est-ce qui pourrait se passer plus tard, ça nous permet déjà de dire c'est réel, ça arrive, attention, sans avoir de côté alarmiste mais factuel, voilà les faits. C'est nécessaire aussi pour après, je pense, la prise de décision politique. Et puis ça nous permet de dire aussi, voilà, il y a des milieux qui peuvent mitiger un peu le changement climatique, protégeons-les.